Bonjour, je m'appelle Nisha Ramlel Ramassami, je m'habite Point Disney à Maïbou. Aujourd'hui, je m'invite chez moi. Je suis un fabricant de produits organiques, 100% fait main. Donc, pas de préservatif, je ne vais pas servir aucun préservatif, aucun produit chimique. Donc, aujourd'hui, je peux faire deux produits pour vous. Et à ce moment, je peux expliquer comment je fais les et les bienfaits, les ingrédients qui me servent là-dedans. Pour le premier produit que je vous présente aujourd'hui, c'est un sel de bain. Donc, ici, c'est sel Himalaya. Celui-là, c'est Epsom Salt, qui est bien pour une articulation, douleur musculaire et ainsi de suite. Ça, c'est Dead Sea Salt. Et celui-là, c'est un mélange à ce moment de Epsom Salt, Rock Salt. Donc, je fais un mélange déjà. Et aussi, je rajoute dedans un petit peu de bicarbonate et un petit peu de cornstarch. Et il est bien important, en fait, de mettre ça des argent là qui les mélange bien avec ben, l'huile essentielle pour qui avec l'humidité, il part rendre de l'eau, comment nous dire. Ce qui me peut ajouter aussi, c'est les pétales de rose. Donc, les pétales de rose, tant qu'ils sont capables de me prendre bon, dans mon jardin, mais là, vu qu'ils ne me fait que bouger ici, donc, je peux pétale de rose à ce moment, mais je vais faire importer. Donc, pétales de rose qui sun-dried, hein, c'est naturellement séché, donc c'est comme ça, ok. Donc je peux ajouter mon pétale de rose dedans. Et je peux mélanger un petit peu. Maintenant, je peux ajouter mon huile essentielle. Donc, mon que j'ajoute par rapport à l'huile essentielle, l'huile essentielle qui m'a servi, c'est 100% naturel, pas mélangé parce qu'il y a beaucoup d'huile essentielle sur le marché qui est mélangée avec de l'huile. Donc moi, me servi pure. Pourquoi pure? Parce que c'est là, ce moment, le bienfait au fait de l'huile essentielle qui, quand on mélange l'huile ou fait un produit avec, le bienfait, tout un ingrédient qui mélangé dedans, c'est ça à ce moment qui l'époux. Et après, ça reste comme dire, dans le concept qui m'a envie de présenter ici à Maurice, c'est 100% organique, 100% naturel. Donc pour ça, je peux ajouter là-dedans l'huile essentielle lemongrass, donc qui nous appelle aussi citronnelle. Donc pas beaucoup, parce que vu que c'est concentré, c'est 100% naturel, c'est à l'état pur. Faut pas mettre beaucoup, juste 5 gouttes. Moins non plus. Et nous pouvons mélanger. Et nous vous mélangez bien au moins pour 1 minute parce que vu qu'il me met de gouttes et ben l'huile essentielle là, bien bien mélanger avec mon ingrédient pour comme quoi livine N compact comme produit. Toujours parlant de l'huile essentielle, donc il y a certains du monde qui disent « Ok, ben, vous connaissez l'huile essentielle, mon content ylang-ylang, mon content romarin, mon content lavande, ainsi de suite. » Donc, je dis si je mélange tout ensemble, ben, vous venez extraordinaire comme senteur. Non. Vous devez faire bien attention, en fait, il y a certaines huiles essentielles qui ne sont pas capables de mélanger ensemble. Ça, à ce moment, il détourne le note senteur, comment nous dire. Aussi, faire attention quand on peut servir l'huile essentielle. Pas forcément quand l'huile naturelle. Ça veut dire, moi, c'était l'huile essentielle à l'état pur. Je mets-le dans mon coin d'oreille ou je mets-le là, comme vous connaissez, je mets le parfum et tout. Donc, pas nécessairement, on peut mettre-le dans le coin d'oreille ou on peut mettre-le sur ou la peau directement. Ça veut dire, il est bon pour la peau parce que c'est naturel. L'huile essentielle, c'est super concentré et ça peut brûler. Il est capable de brûler la peau, donc fais bien attention. Ou bizarre qu'on serve, parce que moi, personnellement, je suis un formulateur l'huile essentielle, un produit organique. Donc, je connais que moi, je peux servir. Donc, fais bien attention. Si vous avez envie d'acheter l'huile essentielle et servir que tout, fais bien attention. Si vous ne connaissez pas, pose question. Donc voilà, je finis mélange au fait mon huile essentielle dans mon produit. Donc voilà le sel de bain.
Et ce sel de bain là même, me faire deux différents produits avec. Donc le sel de bain normal qu'on trouvait là, ou bien me faire un sel de bain effervescent. Qui veut dire par effervescent, moi j'ajoute ce qui nous dit citric acide, qui est à base végétale, citric acide dedans. Donc ça veut dire qu'on peut mettre les dans de l'eau, pour bien faire une bain de pied ou dans une baignoire, qu'on peut mettre les pour faire un effervescent. Mais ça aussi, elle est pour aider à ce moment relax, parce que quand les petits dans les pieds, les aide comme quoi, tire ma douleur et tire ma impureté qui est là. Dans les pieds. Donc maintenant qu'il m'a fini de faire une selle de bain, je vous explique à ce moment comment nous servir, qui s'en a qui a servi et la raison au fait où servir. Donc selle de bain, c'est bon, enfin, nous dire selle de bain, mais lui aussi servir si vous êtes dans la baignoire que tout, on travaille une journée, on travaille l'eau du pied, une journée au début de l'eau du pied, on rentre la case, les pieds ferment, ainsi de suite. Donc on a envie de juste relaxer un petit peu. Ou capable de servir, donc nous appelons ça foot soak. Donc nous mettons les pieds trempés. Avant, à l'époque, nous pouvions servir gros diesel, comment nous dire, prendre le chaud, mettre gros diesel là-dedans et mettre les pieds trempés. Mais vu qu'il allait là, si je te rappelle, je me suis dit, il y a Epsom salt dedans et celle Himalaya qui bien fait, c'est tirer une douleur au fait dans les pieds. Donc même si comme quoi on fait une entorse en fait, on vient aux pieds ou on a les pieds enflés si on a tension forte et ainsi de suite, si les pieds enflés ou met tous les pieds trempés ou met ça du sel là dedans, il pour calmer au fait l'enflure et tirer ben douleur là et en plus il pour augmente circulation du sang qui à ce moment où les pieds pour relax. Donc pour faire un bain ou les pieds, pour mettre les pieds trempés, comment nous dire. Donc, on prend une cuvette de l'eau, donc pas trop chaud, mais pas trop froid non plus. Assez chaud pour qu'il comme quoi, ou senti de l'eau là qui, comment me dire, à température un peu plus élevée qui tienne. Ok. Donc, on prend ou de l'eau chaude ou mettre deux cuillères, ça dit celle là dedans. Seulement deux cuillères, c'est suffisant. Deux cuillères à bouche, on met deux cuillères dedans et tout de suite on met tous les pieds. On met tous les pieds là-dedans, trempés jusqu'à de l'eau là, in frais. Donc, entre-temps, quand on peut faire ou bain de pied, ou capable bouge les pieds, ou laisse ça du sel là, fun dedans, ou laisse-les bien mélanger avec de l'eau. Et là, à ce moment, ou laisse-les frais complètement. Et là, on capable juste essuyer les pieds et ou good to go. Donc, bonne personne qui est là, baignoire maintenant. Donc, pareil, je remplis cette bathtub, donc cette baignoire. Et là, à ce moment, vu que baignoire, bien sûr, est plus grand. Et là, à ce moment, on met 4 cuillères, ça dit c'est là, dedans. Et pareil, immédiatement, on rentre dans de l'eau, ou fait, ou bain. Et pareil, jusqu'à qu'il y ait de l'eau, froid, pas froid, mais vraiment, vraiment tiède, tépide, comment nous dire. Et là, à ce moment, on prend une douche chaud ou froid, comme vous voulez. Donc, voilà deux bienfaits. Qui s'en a qui a servi? Tout du monde, parce que pena aucun agent chimique dedans, pena aucun agent, pena aucun préservatif. Tout du monde capable de servir. Si vous pouvez poser ma question aux bons enfants, oui, bons enfants capables de servir. Si vous avez un baignoire que tout, ou bons enfants, ou capable, comme si pendant le week-end, vous rendez une baignoire, un petit peu de jeu dans la baignoire, mais vous capable de mettre ça pour bons enfants aussi. Donc, tout le monde capable de servir, que ce soit homme, que ce soit femme. Parce que oui, je veux dire, bon produit juste pour bonne femme, mais non. Bon homme aussi, bon Michel aussi, fatigué, je crois. Donc, tout du monde capable de servir ce produit-là. Donc, le deuxième produit qui m'a montré aujourd'hui, c'est un gommage. Mais pas n'importe quoi qui gommage, c'est un gommage fouetté. Qui me l'a dit pas ça? C'est un gommage, mais me montre comme une crème. Donc, ce gommage-là, il est 2 en 1. Donc, il est aussi un gommage et il y a un savon en même temps. Donc, ici, qui m'a avec moi, c'est un mélange qui m'a déjà préparé avant. Donc, c'est un mélange, nous avons beurre de karité, nous avons beurre de cocoa et nous avons vitamine E, nous avons un petit peu de beeswax,
nous avons aussi du sucre. Donc, nous faire fun, en fait, tout le monde beurre et mélange le sucre. Et donc, nous avons ça, bon, un petit peu maïka, nous mettons là. Donc, qu'est-ce que maïka? C'est une couleur organique qui me servit pour colorer mon produit. Donc, c'est tout à fait. Pas aucun néfaste au fait par rapport à sa couleur là et quand on peut servir ben produit là, il n'est pas pour laisser au fait vu qu'il y a autre couleur là comme ça, il n'est pas pour laisser ben résidu ou bien ou figuer avec une rouge ou peu importe qui couleur me peut servir. Donc nous mettons ça dans une bol, voilà, et qui me peut servir là-dedans, me peut ajouter de l'huile. L'huile essentielle et aussi l'huile amande. Donc l'huile amande, à ce moment, vous connaissez bien fait de l'huile amande, c'est l'aide ou la peau. Et moi, pour ajouter un de l'huile spéciale qui moina, c'est de l'huile tamanou. Et moi, pour ajouter aussi un petit peu de l'huile ricin dedans. Voilà. Ok, donc si ou pas connaissez l'huile tamanou qui était, l'huile tamanou, nous aussi appelons un de l'huile actif. Qui me l'a dit encore actif, pas actif, il y a de l'huile qui qu'on peut mettre à travers comme si un produit, donc capable ou quand même mettre dans un gommage ou quand même mettre dans ou mélanger avec les autres de l'huile ou faire un massage et ça de l'huile là, il continue travail dans la peau. Donc ça de l'huile tamanou là, comment nous dire, il aide reproduire collagène, il aide si man dit mon a eczéma, psoriasis ou comment nous dire au coude, tout ça, vin sec, ou capable de servir, et il continue le travail et il aide aussi la circulation du sang. Donc, je peux servir ça, trois de l'huile là, plus je peux, vu que c'est un gommage, je peux servir l'huile essentielle concombre. Donc, concombre, bien sûr, il rafraîchit ou la peau, donc il peut être bien fait, fresh, comme comment nous dire, l'eau ou la peau. Donc, comment je dis ça, c'est un gommage fouetté. Donc à ce moment, je ajoute de l'huile, donc pas beaucoup, un petit cuillère. Vu qu'il nous peut mélanger trois de l'huile dedans. Donc un petit peu de tamanou. Donc tamanou, celui-là, tamanou en elle-même, il est bien concentré. Donc je mélange avec un petit peu d'huile de grape seed, donc pépin de raisin, et avec l'huile amande. Donc je vais mettre une cuillère, ça aussi. Et puis je vais mettre un petit peu d'huile ricin. Et en même temps, je vais mettre l'huile essentielle. Donc, je vais mettre le servir concombre. Donc, là aussi, pas beaucoup, vu que c'est à l'état pur. Donc, là, pareil, je vais mettre 3 pour commencer. Et je vais ajouter encore 3 tout à l'heure quand je finis de fouetter. Donc, là, je vais commencer à fouetter. Gommage. Donc, pareil comme tu as l'air là, quand tu mets l'huile essentielle dans mon sel de bain, tu dis mélange au moins une minute. Là aussi pareil, qui fait, m'aurait répété encore, qui fait pendant une minute parce que vous mettez ça, l'huile essentielle là, vous besoin mélange les bien pour qu'il mette incorpore dans ça tout ce genre d'ingrédients qui vous mélangez là-dedans. Donc là, moi, pour ajouter encore 3 gouttes de l'huile essentielle. Fouetter.
Donc, entre-temps, qui me peut faire ça, je suis peut-être bien fait de sa gommage là, comme on me dit au début. L'IN 2 en 1, l'IN gommage et un savon en même temps. Donc, au cas, c'est Vili. Au visage ou l'écho ou le pied, peu importe. Et il est tellement hydratant au fait, si on finit faire ou gommage, ou pas nécessaire au fait laver avec savon après. Parce que bien fait de l'huile qui nous mettait là-dedans, et après pas oublier nous mettre ta manou là-dedans, donc qui a de l'huile active. Donc vous allez laisser ça de l'huile à travers l'eau ou la peau. Donc ou rincer ou bien ou prendre une wet. Tissue, une serviette qui trempait, ou nek essuie-li, après c'est bon, ou capable sous la peau comme ça. Donc, voilà. Pour vous juste montrer comment il était. Ça, c'est le gommage fouetté. Okay. Lien, il fait une crème. Vous pouvez trouver, je peux dire oui, un peu liquide. Mais vu qu'il y a une belle carité, belle cacao et un petit peu beeswax dedans, bien sûr, il peut venir faire là pour le moment qu'il connaît une fake fouette. Il peut être un petit peu liquide, mais après, il peut venir un petit peu plus ferme, un peu plus crémeux. Donc, on peut servir à ce moment. Et je peux expliquer à ce moment comment nous servir et quelle fréquence nous bisons servir. T'as la même chose pour celle de bain, donc pour faire. Trempage comme si ou les pieds ou les corps, mais ça me conseille ou faire li trois fois par semaine ou minimum deux fois par semaine. Mais gommage à ce moment, vu que c'est un gommage, ou pas qu'il y a trop gomme ou la peau, parce que vous avez donné le temps, vous faites le travail par lui-même. Donc le gommage à ce moment, c'est deux fois par semaine uniquement. Maintenant, si vous pouvez trouver qui ou une peau sèche un peu plus, ben du monde qui a la peau sec normalement, ou bien une point noir qui apparaît un peu plus, là à ce moment, vous êtes capable de faire les trois fois par semaine. Mais normalement, deux fois par semaine suffit. Comment vous servez ce produit-là maintenant? Simple, pareil comme tout gommage, ou si vous pouvez faire au visage, ou rince au visage, ok? Et avec ce produit-là, pas besoin de faire un cleanser, ça veut dire ou pas besoin de prendre un produit spécial pour nettoyer le figure avant, là où faire au gommage, là pour faire au toning, ainsi de suite. Avec ce produit-là, vu qu'il y a bas savon dedans, et bas savon qui nous est là-dedans, c'est organique aussi, c'est à base de lait, un savon de lait. Donc, pareil, ou rince au figure, ou prend un petit peu, donc, sa quantité-là, dans tous les délamés, et après, ou d'ablis différentes parties ou visage, et mouille la main un petit peu, et ou faire au gommage. Donc, fais-le en motion circulaire, le figure, et jusqu'à ce que vous trouvez un laser qui peut former, ça veut dire comme savon, ou un liquide, comment nous dire. Ok? Donc, vous faites gommage au moins 5 minutes, l'eau la peau. Donc, après qu'on finit de faire au gommage, qu'on fait, parce qu'il y en a, il y a du sucre dedans, donc, il n'est pas pour néfaste, en fait, si on a avalé aussi, vu qu'il y a un produit là, c'est naturel. Bon, il y en a base savon dedans, donc, bien sûr, savon, il n'est pas un goût agréable dans la bouche, mais si, comme quoi, on a avalé, il n'est pas pour faire une réaction néfaste dans les corps. Pas tracasser là-dedans. Donc, vous finissez faire ou gommage, ou rince au figure, et ou pas dry, comment nous dire, ou prend une serviette, ou tamponne le visage comme ça, pas souillé, comment dire. Vous connaissez, là, je me dis, yo, me fait faire gommage, pas quoi, pour tirer ça, man, dead cell encore, l'homme au figure, me prend une serviette, me frotte mon figure. Non, gommage, on finit faire ce travail, ou nec, tamponne ou visage, et ou laisse-le sec, allez, comment nous dire. Donc, je vous remercie de tout. Je suis accueillie chez vous aujourd'hui. Donc, si vous pouvez poser la question, quand vous trouvez ce produit-là, donc, vous pouvez pas suivre moi sur ma page. Donc, mon petit compagnie s'appelle Send From Heaven. Donc, me l'ouvre Facebook. Allez sur Facebook, c'est Send From Heaven, ou bien sur Instagram, Send From Heaven. Donc, vous pouvez avoir tout détail. Donc,
Je souhaite que vous m'envoyez un petit message. Si vous avez une question, je pourrai répondre au message, within 24 heures. Merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine.